Alors, je vais, bon, parler, je vais parler de la, de la préhistoire de, de Grothendieck, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de sa thèse, et qui malheureusement a été trop souvent négligé. Quand on a fait le Festschrift pour Grothendieck pour ses 60 ans, j'avais prévu un chapitre là-dessus, on me l'a censuré. On me l'a censuré, voilà. Ça ne sera plus le cas. J'espère, <laughs> Bon. Et euh... Oui, euh, j'avais dit d'ailleurs à euh, cette occasion-là, je ne sais plus quelle occasion, j'ai parlé, j'ai plusieurs fois parlé pour euh, le premier Grotendieck, qu'on a un peu tendance à oublier, et j'ai dit, le, le, le foncteur somme deux fois. Le <laughs> 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 foncteur sonne deux fois. Ce que je veux dire, c'est que une de mes thèses, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux Grotendiecks. Celui qui a fait de l'analyse fonctionnelle et celui qui en fait ensuite de la géométrie, c'est le même. Sa méthode est la même et ses ambitions sont les mêmes. Bon, alors il les applique dans des champs mathématiques un peu différents, mais c'est quand même, il y a une unité du personnage. C'est ça qui me semble important de dire aujourd'hui. Bon. Alors bon, de toute façon, bon, alors je, il y a une partie dont je ne développerai pas, c'est ce, son séjour au Brésil, parce que si j'ai bien compris, Pisier viendra nous parler de, bon, essentiellement de ça, c'est-à-dire le prolongement de son travail du Brésil. J'en dirai juste quelques mots, mais enfin, je ne vais, vais pas mordre sur son, sur son exposé à venir. Il est bien, il est bien prévu, j'ai hein, oui, bon. le Bon, Alors, je vais commencer par. Euh, je, ce sera un exposé plus historique qu'autre chose. Bon, histoire des mathématiques, c'est-à-dire qu'on raconte les idées mathématiques qui sont en jeu, les personnes qui sont en jeu aussi, mais ce sera, je ne vais pas entrer dans des détails techniques. Bon, euh, sur sa thèse, par exemple, je serai sommaire sur les, sur les détails techniques, mais je voudrais vous faire un exposé historique. Alors, d'abord, il euh, y a une préhistoire. Il y a une préhistoire qui, en gros, va jusqu'à 1940, de, bon, disons, de pour ne pas remonter encore plus loin, parce que, bon, on peut remonter à Archimède, bien sûr, <laughs> on peut remonter à Archimède, mais enfin, ce n'est pas utile. Euh, par contre, la préhistoire de l'analyse fonctionnelle, c'est en gros de 1920 à 1940. Ça commence avec Banach et le traité de Banach, qui lui-même euh, s'appuie sur euh, une, grande, une grande quantité de résultats et de méthodes déjà développées. Bon. Mais bon. Il y, a dans, il y a dans le livre des notes historiques, dans le livre sur l'histoire des mathématiques de Bourbaki, il y a un bon chapitre sur, justement, le développement, les idées de Hilbert, les idées de, de, de Helly, les idées, bon, de ce qu'a été l'analyse fonctionnelle avant 1920. Et, donc, ce n'est pas la peine que je répète. C est, c est, je l'ai reparcouru tout à l'heure et ça dit très bien les choses et euh, ça, ça permet de voir. L'important, le tournant pour moi, c'est Bannard. Enfin, pour moi, je veux dire, je vais partir du tournant de Banard. C'est-à-dire que jusqu'à Banard, on a quand même des résultats non négligeables. Bon, il y a eu Frédéric Ries en particulier, euh, il y a eu Fréchet, euh, il y a eu Hilbert, il y a eu les collaborateurs de Hilbert, Schmitt. Bon, il y a eu, bon, sans remonter au XVIIIe siècle, bien entendu. Mais il y a eu, bon, mais le, tout ça, ça mettait en place des choses, mais Banard est le premier qui ait fait une théorie générale. Théorie générale, bon, basée sur, une, euh, sur une, une idée axiomatique très simple, il faut se donner une norme. Alors l'idée de norme est déjà chez Minkowski sous la forme de jauge d'un ensemble convexe. Bon, euh, mais euh, une partie des résultats purement géométriques sont déjà a été établis par Minkowski, pas en vue de l'analyse, mais c'est quand même bon. Alors ce sera un, une des tendances justement que je vais décrire. Euh, la géométrisation de l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire l'importance donnée aux présentations géométriques plus qu'analytiques. Bon, ça a, été, ça a été une époque, hein, une époque et bon, euh, elle, si elle s'était prolongée trop longtemps, ça aurait été une erreur. Mais enfin, elle a, apporté, elle a apporté un point de vue géométrique sur des problèmes d'analyse fonctionnelle, mais euh, un peu au dépens de, 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 de méthodes plus explicites. qui est, Bon. En gros, l'idée de Banard, qui est, qui est, idée, bon, qui est une, une idée clé, il y en a deux, des idées clés chez Banard, qui s'appuient sur ce qui a été fait. Premièrement, l'introduction des normes. Deuxièmement, la dualité. Et la dualité, j'aurais beaucoup à revenir là-dessus. Alors, l'introduction des normes, bon, comme je vous dis, bon, c'est une mesure de la taille de quelque chose, essentiellement d'une fonction. Alors, l'idée qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas une norme, il y a des normes. Et un grand travail, avant, de, depuis, depuis, je dirais, 60 ans, 70 ans, une bonne partie du travail en analyse, loin de, bon, un peu en repli, repli par rapport au développement purement euh, qualitatif qui était fait dans les années 40 et 50, ça consiste à introduire des normes astucieuses et à les comparer. Bon, et les normes astucieuses qui s'appliquent à tel, tel ou tel problème, et à les comparer, bon, ce qui est souvent euh, la partie vraiment difficile, la partie difficile et... Euh, c'est là que tout l'art euh, s'exerce, c'est là que s'exerce tout l'art. Bon, par exemple, je disais la, la, ce qui a été écrit dans la Gazette des mathématiciens sur euh, Kahn il y, a, il y a deux jours, Kahn est décédé il y a, il y a trois mois, euh, quatre mois, et bon, euh, c'est une des, une des choses que Kahn a fait justement, d'appliquer, par exemple pour les séries de Fourier, des normes plus ou moins, plus ou moins simples. Bon. Donc voilà, l'idée des normes et puis l'idée de dualité idée de dualité, qu'on verra ressortir à, à beaucoup d'endroits. Bon, elle, elle ressort sous la forme d'analyse fonctionnelle, elle ressortira aussi avec ampleur sous la, euh, dans, dans l'autre gros tonique, le deuxième gros parce que le thème de dualité, c'est un thème récurrent dans ce qu'il a fait ensuite. Bon, alors, donc Banard, bon, il y a le traité de Banard, le traité de Banard. Okay. Qui est en gros le résumé. Elle programme le résumé. Elle programme des mathématiques polonaises de cette époque-là. Banar, Banar est le chef de file. Même si elle est un chefs de file de cette école, c'est une école excessivement brillante, euh, qui a été malheureusement détruite par euh, les nazis puis les communistes. Bon, euh, mais. Bannard fait, fait la synthèse et euh, c'est un, un modèle de développement axiomatique. Le développement axiomatique dans les années 20, c'est quand même un des, des grands courants. Ça n'est pas, pas isolé. Bon alors, euh, mais il se limite à cette classe d'espace qu'on appelle espace de Bannard. Bon, tous ceux qui ont un peu manipulé les, les, les notions de mathématiques savent ce que c'est qu'un espace de Bannard. Et comme j'ai dit, la dualité est importante. La dualité, euh, par exemple, le, un des théorèmes, fondamentaux de, enfin, des théorèmes fondamentaux de Hilbert et de son école, c'est que l'espace de Hilbert, au singulier ou au pluriel, pour, 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 pour simplement, l'espace de Hilbert, quand Hilbert définit l'espace de Hilbert, c'est le modèle, c'est-à-dire l'ensemble des suites de carrés sommables. Bon, c'est l'espace de Hilbert. Bon. Après, c'est von Neumann qui axiomatisera ça, essentiellement pour les besoins de la mécanique quantique, dans son ouvrage sur les fondements de la mécanique quantique, et dira un espace de Hilbert, c'est-à-dire bon, un, un espace normé d'un type particulier où la norme a les propriétés de, du, du carré scalaire d'un vecteur dans l'espace euclidien. Bon, donc, euh, alors. Euh, La dualité, donc il y a bon l'espace de Hilbert, qui est son, son propre dual, ou même, et à ce moment-là, on peut dire un espace de Hilbert parce que <laughs> de manière assez particulière, quand on a un espace de Hilbert, réel ou complexe, de dimension infinie, il est son propre dual, en ce sens qu'il y a un isomorphisme canonique de l'espace sur son dual. Alors qu'en général, ça a été un des, une des difficultés au début de la théorie de la dualité. C'est que, bon, contrairement à ce qui se passe dans la géométrie élémentaire, où il n'y a pas de distinction entre faire l'espace direct et l'espace inverse, sauf que le calcul tensoriel est basé sur la différence, justement, les indices en haut ou les indices en bas, c'est ça qui fait la différence, bon. Et, mais euh, il mais, n'y mais, a pas, bon, un espace de dimension n, il a pour dual un espace de dimension n, et il n'y a pas, bon, deux espaces de dimension n, même quand ce n'est pas le même, ils se ressemblent beaucoup. Donc, euh, par contre, un espace, quand, euh, quand on a des espaces de dimension infinie, ça a été justement une des difficultés conceptuelles, c'est que l'espace dual ne ressemble pas du tout à l'espace de départ, sauf le cas de Hilbert. Qui, 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 qui... Par exemple, un, un exemple qui est traité à cette époque-là par, par Frédéric Ries, c'est que si on remplace espace de Hilbert, c'est-à-dire, disons, les suites de carrés sommables ou les fonctions de carrés intégrables remplace le carré par une autre puissance, disons 3, les fonctions de puissance troisième intégrable ou les séries dont la somme des cubes est finie. Bon, à ce moment-là, le dual n'est plus du tout le même. Parce qu'il y, bon, y a un théorème fondamental qui dit que le LP, c'est-à-dire les, les suites avec la puissance Pm sommable ou l'intégrale puissance Pm sommable, a pour dual LQ ou 1 plus P plus 1 sur Q égale 1. Bon, alors, si vous faites P égale Q égale 2, ça marche. Mais c'est le seul cas où ça marche que P égale Q. Si j'ai 1 plus P plus 1 sur Q égale 1 et que P égale Q, ça ne me donne que ce cas-là. Donc, euh, y il avait, y avait ce, ce cas-là. Bon, et, et Bannard est un de ceux aussi qui ont introduit une idée nouvelle qui est, la, enfin bon, c'était déjà chez Hilbert, mais la convergence faible. C'est-à-dire que dans un même espace, dans un même espace, quand il est en dimension infinie, il y a de manière naturelle deux, deux types de convergence. La convergence dite forte, c'est-à-dire les normes, bon, x, xn tend vers x si la norme de xn-x tend vers 0. Et euh, xn tend faiblement vers x si euh, xn-x, accouplé à n'importe quel vecteur fixe, ou que, plutôt n'importe quelle forme linéaire fixe, ça dépend si on prend d'un côté ou de l'autre, tend vers 0. Par exemple, ça veut dire en gros que les coordonnées en gros que les coordonnées tendent vers 0. La suite xn tend vers 0 si ces coordonnées tendent vers 0. Mais bon, il euh, n'y a pas d'uniformité, c'est ça la différence. C'est que dans la convergence forte, il y a une uniformité, tandis que dans la convergence faible, chaque coordonnée, indépendamment des autres, tend vers les limites. Et euh, un... ça, ça avait été repéré déjà depuis longtemps, en particulier dans le calcul des variations, qu'il faut faire une distinction entre plusieurs types de convergence. C'est absolument fondamental dans le calcul des variations. Et d'ailleurs, le calcul des variations est en filigrane derrière tout ça. Bon, même si le, le calcul des variations, d'abord, bon, il a été souvent oublié dans l'enseignement. Je me souviens qu'Henri Cartan, dans cette salle ou une autre salle ici, on lui avait demandé qu'est-ce que c'est le calcul des variations. Oh oui, bon, lisez le livre de mon père sur les systèmes différentiels extérieurs, lisez la section 53 vous verrez. Il y a une identité de géométrie différentielle que Cartan, le père, appelait le fondement du calcul des variations. C'est vrai que si on essaye de décortiquer un certain raisonnement du calcul des variations, c'est cette formule qui est derrière. Enfin, c'est quand même un tout petit peu restreint. D'une autre manière, quand je disais devant euh, mon éminent collègue Lyons, euh, calcul des variations, il me disait oui, il me sortait la méthode de Rayleigh pour calculer les valeurs propres d'une matrice symétrique. Bon, bon c'est quand même un peu. C'est d'ailleurs dommage parce que les, les, c'est un outil absolument fondamental pour les physiciens et euh, les mathématiciens. Bon, le mathématicien moyen peut se passer de savoir ce que c'est, <coughs> sauf s'il a lu sauf s'il a lu euh, l'article de 1918 sur des sur le calcul des variations et les principes de symétrie, bon, et qui est d'ailleurs un excellent commentaire de Yvette Gaussmann. Bon, alors voilà, donc dualité. Alors cette dualité, donc elle est, elle est troublante parce que si l'idée de dualité pour la dimension finie était classique, dans le calcul tensoriel, il bon, faut distinguer les indices en haut et les indices en bas, mais enfin, ce n'est pas, pas très compliqué. Là, on a, on a affaire à un univers totalement différent. En plus, bon, dans l'algèbre le, dans le, dans élémentaire ou des choses comme ça, si on fait deux fois le dual, on retombe sur ses pieds. Le dual du dual, ou le bidual, autrement dit, c'est le même espace. Bon, c'est la symétrie du produit scalaire entre la gauche et la droite. Mais dans, ces, dans, dans, dans les espaces dimension infinie, c'est loin d'être le cas. Par exemple, un espace fondamental, l'espace des fonctions intégrables, L1. Son dual, c'est l'infini, c'est-à-dire les fonctions bornées. Et quand on reprend le dual de l'infini, c'est un monstre. C'est un monstre. Bon. Alors voilà, Donc, voilà vraiment l'antiquité. Ensuite, dans, dans, toujours pour terminer la préhistoire, c'est-à-dire la préhistoire, pour moi, elle s'arrête en 40. Il y a Von Neumann. Alors Von Neumann, ce n'est pas la peine d'expliquer le, le talent et le goût de l'axiomatique de von Neumann. Vous savez qu'il a même écrit son traité sur, le, sur la théorie des jeux, et, le, et les, bon, les théorèmes de Minimax et tout ça, qui, qui ont été pendant longtemps une référence dans l'application des mathématiques aux, disons, aux sciences sociales en général, ou à l'économie, et ben, l'exposé de Morgenstern, l'exposé de von Neumann sur l'économie est axiomatique. On peut, on, peut, on peut discuter de la pertinence. Enfin, bon, quand Neumann, entre les mains de Fondeurmann, n'importe quelle axiomatique réussit. Il est celui qui a reformulé la théorie des ensembles. Il a redonné une axiomatique de la théorie des ensembles qui, malheureusement, bon, élimine certaines des difficultés de la théorie classique de ensembles de ne mais les élimine pas complètement. D'ailleurs, qui sait éliminer les, les difficultés de la théorie des ensembles Pas moi, pas moi, pas moi. Et je suis pas le seul à ne pas savoir. Bon. Et plutôt, si, si je savais, je serais le seul à le savoir. Alors, donc, von Neumann, c'est lui qui a aussi axiomatisé la mécanique quantique dans son fameux ouvrage de mécanique, de mécanique quantique, où il met à la base de tout ça les espaces de Hilbert, ce qui permet de faire une synthèse harmonieuse entre les deux points de vue concurrents pour la mécanique quantique, celui de Schrödinger et celui d'Eisenberg. Heisenberg le calcul des matrices c'est un calcul de matrices infinies. oui mais les matrices c'est simplement la traduction un peu maladroite des opérateurs dans un espace de dimension infinie et Schrödinger il a une équation mais oui mais les, les solutions de cette équation ils forment un espace de Hilbert donc on se réconcilie donc voilà alors von Neumann pas, bon von Neumann c'est pas la peine aussi de dire qu'il était en même temps l'inventeur des ordinateurs le premier le Johnnyc comme on l'appelait parce qu'on États unis États-Unis faisait appeler Johnny le Johnnyc qui était le premier ordinateur euh, qui était fait à Princeton, qui d'ailleurs, quand il est mort, euh, on a tout fait pour l'éliminer, même avant qu'il meurt, on a tout fait pour l'éliminer. Bon, et le, le, je me souviens de ma première visite à Princeton, où quelqu'un est venu me venir d'un air extasié, on sait faire des additions, <laughs> et la machine a tourné 20 minutes <laughs> Était les, il y avait des milliers de lampes qui claquaient les unes après les autres. Bon, c'est pour dire ça. Bon, et il y avait un, un engin, il y avait un engin monstrueux qui tenait un bâtiment pff, énorme, qui faisait un, la, la, la ventilation faisait un bruit énorme. Il fallait pas être habité dans le voisinage. Bon, alors voilà donc c'est Tout ça, ça fait partie de la la, de la préhistoire. Et euh, il y a aussi de l'autre côté du rideau de fer, il y a Gelfand et Kolmogorov. Gelfand, on en reparlera tout à l'heure. Et Kolmogorov, bon, Kolmogorov c'est celui qui a, euh, qui, qui a résolu un des problèmes de Hilbert, c'est-à-dire faire l'axiomatique du calcul des probabilités. Hilbert était plus ambitieux, il voulait faire l'axiomatique de toute la physique. Bon, déjà, le calcul des probabilités, c'était un beau succès. Et, le, et, bon, et Ce qui est aussi un, un, une indication du temps, le, le, la thèse de Gelfand est en allemand et le livre de Kolmogorov est en allemand. Et les soviétiques cultivés à cette époque-là utilisaient l'allemand encore. Bon, ça c'est avant la, la Seconde Guerre mondiale. Bon, euh, alors bon, je cite Gel'fond et Kolmogorov. Alors Gel'fond, on y reviendra tout à l'heure, mais Kolmogorov, qui a le, le premier bon utilisé les, les techniques d'analyse fonctionnelle pour euh, pour synthétiser, pour faire une, une présentation du calcul des probabilités, euh, qui euh, qui a des avantages et des inconvénients. Bon, elle, malheureusement, enfin bon, bon il, a, il, a, il a présenté... En fait, il n'a fait que développer les idées de Poincaré, mais avec un, un outillage analytique plus, plus, plus conséquent. En fait, c'est Poincaré qui, le premier, a résolu les soi-disant paradoxes du calcul des probabilités, les paradoxes de Bertrand, qui revenaient à dire que si on essaye de calculer une probabilité qui a une allure géométrique dans deux systèmes de coordonnées différents... Ça n'était pas la même chose. Ben oui, parce que quand on fait un changement de variable non linéaire, dx, dy des ne vient pas dx prime, dy prime. Il y a un facteur, il y un jacobien qui intervient. Et Poincaré dit, c'est un des points forts de son livre sur les probabilités, trop peu connu d'ailleurs son livre sur les probabilités, euh, qui lui a servi aussi de base pour le procès, le procès de lutte. Non, 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 le, le procès de. de passer, oui, oui, le bon, le, 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 Bertillon, Bertillon, qui a confondu Bertillon, bon, et dans, dans l'affaire la, Dreyfus. Et, bon, et euh, Poincaré avait dit, oui, mais pour, pour faire un modèle de probabilité, assez, on trouve des résultats différents parce que, en fait, il y a un modèle différent. Quand on a choisi des coordonnées pour représenter ce qui se passe, il faut dire quelle est la loi de probabilité, c'est-à-dire la fonction P x, Y, tel que... est ce qui compte, c'est P d'X, Y, d'X, d'Y. Ce pas d'X, d'Y tout seul. Bon. Et tout, la plupart des paradoxes, pseudo-paradoxes, disparaissent instantanément. Kolmogorov, en fait, a poussé ça à fond, mais bon, avec euh, des ambitions évidemment plus, plus grandes au point de vue analytique, parce que euh, le calcul des probabilités, autant Kolmogorov l'axiomatise, est passé de phénomènes où il y a un nombre fini de degrés de liberté à des phénomènes où il y a une infinité de degrés de liberté. Une, un, un jeu de pile ou face prolongé indéfiniment, il y a une infinité de coordonnées. Le pile ou le face, une infinité de fois. Et la théorie, bon, l'intégration en dimension infinie, c'est un autre, c'est un thème parallèle à celui que je développe. L'intégration en dimension infinie, ce n'est pas du tout la même chose qu'en dimension finie. Bon, il y aurait toute une histoire à raconter, mais ça m'écarterait trop. Ensuite, bon, mais bon tout ça, euh, Maki aussi, Maki, Maki euh, collègue de, qui était à l'époque euh, à Harvard euh, qui est plutôt connu pour son travail sur les, euh, la théorie des groupes et les représentations des groupes et il a fait des applications à la mécanique quantique mais en fait euh, ses premiers travaux c'était ce qu'on appelle la topologie de Mackey c'est dans tous les manuels maintenant c'était une topologie liée à la dualité quand euh, le problème que se posait de Mackey c'était le suivant enfin, quand on, qu on se pose à ce temps là si j'ai deux espaces en dualité purement algébrique, quelles sont les topologies qu'on peut mettre de telle, que, de telle manière que la dualité soit, soit continue C'est-à-dire que si j'ai l'espace E à coupler à l'espace F, quelle topologies j'ai le droit de mettre sur E de telle manière que F corresponde exactement aux formes linéaires continues e. bon. Alors, il y a un théorème de Mackey. Et, et Mackey, bon, Mackey n'est pas un personnage étranger à tout ça, parce que Mackey a passé quelques années à Nancy. Et on va revenir à Nancy à l'instant. Bon, donc, il euh, y a eu ça, la topologie de Maquis. Et puis, il y a eu Dieudonné, donné, de Bourbaki, et Dieudonné, donné l'axiomatique à fond. L'axiomatique à fond, et Dieu donné s'était posé la question de généraliser les résultats de Banard en tenant compte des définitions de fondement, parce que pas dit, dans ce que j'ai dit de fondement, j'ai oublié une chose, c'est qu'il a inventé une nouvelle classe d'espaces qu'on appelle les espaces localement convexes, et que, bon, qui sont des généralisations des espaces de Banard, avec la remarque qu'il existe un certain nombre de situations où ce qui apparaît naturellement, ce n'est pas un espace de Banard, c'est bon, les convergences fonctionnelles, par exemple, si je considère... Euh, la convergence ponctuelle des fonctions ou la convergence uniforme, surtout compacte, ce n'est pas défini par une seule norme, c'est défini par une famille de normes. Bon, Kolmogorov avait dit, il y a des espaces où il n'y a pas une seule norme, mais une famille de normes. Bon, et, alors, tout tout, tout qui fait de l'analyse aujourd'hui, c'est que c'est une idée familière. Bon, les espaces de Sobolev, par exemple, c'est une idée familière. Bon, donc, euh, von Neumann avait posé ça, mais il ne l'avait pas vraiment développé. Et c'est Dieu Donné qui, euh, surtout pendant la Seconde Guerre, euh, 42-43, euh, a pas mal publié un certain nombre d'articles où, où il essayait de débroussailler cette question de dualité dans des espaces qui ne sont pas des espaces de malheur. Bon, alors, bon, j'ai parlé de maquis, j'ai parlé de Donné, ça m'amène naturellement à Nancy, parce que le renouveau le renouveau de l'analyse fonctionnelle, vu en tout cas dans l'optique française, c'est quand même, bon, j'ai cité Maki pour ne pas être purement français, je devrais citer aussi Ribbon Bohm, qui est un, Ribbon Bohm, qui est un, de quel pays Canadien, mais avant il était brésilien. À l'époque, il était brésilien, ensuite il, 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 ensuite il a épousé une française et il est allé s'installer au, au Canada. Je le, connais, je le connais bien. Alors, bon, alors, maintenant, c'est l'époque de Nancy. Alors, Nancy, chacun sait qu'il y a une série de livres qui s'appelait Publication de Nankago. C'était le, 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 la plaisanterie. C'est qu'il y avait Chicago où André Veille Veil se trouvait. Et il y avait Nancy, où on a un certain nombre de ses complices, dans l'entreprise bon qui se trouvaient donc, on avait fait une série, publication de Nankaku. Bon. Euh, ces gens-là étaient férus de plaisanterie. <laughs> de plaisanterie. Pas toujours de bon goût, mais en tout cas, ils aimaient les plaisanteries. Euh, bon, alors, Nancy, en vers 1800, un peu avant et un peu après 1950, qui s'y trouve-t-il Bon, alors, j'ai déjà cité Dieudonné. Dieudonné qui est le, le, la force, la force vitale, la force vitale. Bon, il pesait 100 kilos, il faisait 2 mètres de haut et bon, il, il était plein d'une énergie renouvelable. Et <laughs> j'ai dit renouvelable, parce que, bon, il, beaucoup de gens le craignaient. Il y avait quelques personnes qui pouvaient lui parler sans crainte. Bon, j'en étais. Alors je lui disais parfois, mais enfin, Dieu donné, bon on était la génération militaire, comme disent certains de mes amis de mon bon âge. C'est-à-dire qu'on ne s'appelait pas par nos prénoms, en ce temps-là. On ne s'appelait pas par nos prénoms. Ça a changé, ça a changé. Bon, et alors, le, donc, Dieudonné, qui était... Bon, je lui disais, mais enfin, Dieudonné, tu, tu crois vraiment à tout ce que tu viens de dire Mais pourquoi tu ne veux, veux pas y croire Mais écoute, 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 écoute. Je plaidais, je plaidais, je, astucieusement. Puis à la fin, il m'écoutait avec attention. Puis il me dit, mais c'est vrai, tu as raison Boum <laughs> euh, Demi-tour instantané, <laughs> repartant avec la même vigueur dans une autre direction. Non, tout ça pour dire que le personnage n'est pas indifférent à toute cette histoire. Bon, alors, Donné, il avait fait venir maquis et puis Ribbonbon, dont on a parlé, bon, euh, deux de ses élèves, ou, ou un collaborateur. Et il y a aussi à Nancy, à l'époque, bon, à c'est le fief de Bourbaki à l'époque, et en partie parce que Del, Sartre, Del Sartre qui était le secrétaire du groupe, l'organisateur du groupe, Bourbaki, était doyen des. Doyen, je ne sais pas s'il si était directeur, on dirait aujourd'hui, ou doyen directeur du FR, enfin je ne sais plus quel était son titre exact, mais enfin, il était le patron à Nancy, non seulement à, à l'université, d'ailleurs le centre, comment ça s'appelle, le centre Élie Cartan, le centre Élie Cartan de mathématiques à Nancy, c'est lui qui l'a créé, et en même temps il, a, il enseignait dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Ce qui contredit ce qu'on peut croire, parce que le, un des fondateurs de Bourbaki enseignait dans des écoles d'ingénieurs à Nancy. Bon. bon, donc les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'on veut le croire. Donc euh, Delsart, Delsart, et alors il y a une anecdote qui, que Delsart aimait raconter. Pendant la guerre en 1940, il avait été, comme beaucoup de, comme beaucoup de Normaliens à l'époque, il était lieutenant d'artillerie. C'était comme ça, les affectations générales des Normaliens scientifiques, lieutenant d'artillerie. Et alors bon, il a... Il, était, il a fait, la, il a fait, il a fait la, la déroute, bien sûr, comme tous les autres, la déroute, et à un moment donné, son régiment se retrouvait se sont le long de la frontière suisse. Et alors, il <laughs> y a un de ces soldats qui dit capitaine, mon capitaine, pardon, mon capitaine, on est en train de faire comme Bourbaki, <laughs> c'est-à-dire, puisque l'histoire de Bourbaki pendant la guerre 70, le général Bourbaki, le vrai général Bourbaki, a été pris au piège et les Prussiens l'ont projeté. Il, il n'avait plus qu'une solution, c'est de passer en Suisse et de se faire désarmer par les Suisses. Et un, bon, les Suisses les ont relâchés dès que la guerre était finie, mais enfin bon, ils sont rendus prisonniers. Au, euh, de, bon. Et Delsart riait toujours, voilà ce que m'a dit mon sergent, <laughs> mon capitaine, on est comme l'armée de Bourbaki. Bon, alors, il bon, y avait aussi deux de, des grandes stars de l'époque, il y avait Laurent Schwartz, on ne présente pas Laurent Schwartz, d'ailleurs il s'est présenté lui-même en long, large en travers dans ses mémoires, un mathématicien prise avec le siècle, pas mal, pas mal, pas mal, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a qu'une omission dans ce livre, qui était l'oncle de Laurent Schwartz Oui, le grand oncle, mais l'oncle, Robert Debris, qui était le frère de lait de Laurent Schwartz, Michel Debris. <laughs> bon, il faudrait faire, euh, bon, ouais, il faudrait faire toute, une, toute une histoire à faire, mais enfin bon. Mais simplement, on ne le voit nulle part dans les mémoires de Schwartz, il parle de beaucoup de choses et de beaucoup de gens, mais on, il parle d'un certain oncle Robert, pour qui il a une grande vénération, mais nulle part, c'est dit que c'est Robert Debré, le fameux pédiatre, le, le père de la pédiatrie française, dont beaucoup d'hôpitaux portent le nom. Et qui a été le patron de mon beau-frère à un moment donné. Mon beau-frère était pédiatre. Bon. Alors, bon, alors il y, avait, donc, il y avait Laurent Schwartz, et Laurent Schwartz venait de faire son coup d'éclat, l'invention des distributions. Une distribution, comme je vois encore faire son coup, une distribution, marchant dans un pas. est une forme linéaire. Continue. <laughs> Quand il faisait son cours à l'IHP ou à Polytechnique, c'était ça. Bon. Donc, l'invention des distributions. Or, le lien avec tout ce qui précède, c'est que la notion de base des distributions, c'est une notion de dualité. Il y a eu beaucoup d'essais de fabriquer des, 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 des distributions. Après Laurent Schwartz, il y a un certain nombre de gens qui, qui, qui ont essayé, relativement peu de succès. L'avantage de Laurent Schwartz, c'était ça le talent de Laurent Schwartz. C'est de présenter une idée simple qui marche. C'était simple, les distributions, c'est simple. Une forme linéaire continue, voilà, la dualité. Bon. Et l'orange euh, face, mais bon, en fait, si on y regarde de près, si on lit attentivement le livre de, euh, le livre de, 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 de Dirac, si on lit le livre de Dirac, il y a quelque part une définition quasiment parfaite des distributions. Bon, c'est pas... Il dit simplement, qu'est-ce que je... Dirac dit, qu'est-ce quand j'écris que x delta de x égale 0 ou x delta de prime de x égale moins delta de x, qu'est-ce que je signifie Je signifie que je m'engage à multiplier tout par une fonction, il dit continue, c'est-à-dire qu'il ne fixe pas les, les régularités, vous avez suffisamment régulier. une fonction continue, devant. Ma fonction f de x, j'intègre tout en utilisant les règles d'intégration par partie et je dois trouver le même résultat des deux côtés, indépendamment de cette fonction. C'est une définition absolument impeccable. De, bon, enfin, bon, pas, pas formulée, enfin, je veux dire, le, 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 le substrat, le contenu est, tout, est entièrement là. Et Dirac l'avait dit. Les solutions faibles. Aussi, bon, non, je ne vais pas me lancer, dans je vais pas me lancer, non, me lancer, non. Il, y aura... il, y a, il y a assez de polémiques à ce sujet-là, je ne vais pas me lancer dedans, bon. Alors, bon, en tout cas, Laurent Schwartz avait, publi... avait fait ses distributions, et euh, ça lui a valu la médaille Fitz, d'ailleurs, bon, qu'il Qu méritait, en tout cas, certainement, d'une manière ou d'une autre, et le... qu'est-ce que je disais Oui, c'est ça. Mais Laurent c'était, la... c'était la dualité. Bon, et alors, après... Il y a le troisième personnage dont j'ai déjà parlé, Dieudonné. Et euh, bon, il y avait dans, dans, dans la première édition de, de, des distributions de Laurent Schwartz, il y a des circonlocutions pour dire ce que c'est qu'un espace. Bon, un espace de manard, évidemment, tout le monde savait ce que c'était. Mais ce n'était pas des espaces de manard. Il fallait prendre bon, un espace convenable de fonction test, etc. Bon. Et, euh, bon, euh, Schwartz ne se sent pas très à l'aise et il parle de pseudo-topologie. Enfin, bon, il y a la première édition, bon, la première édition est un peu vaseuse sur ce plan-là. Et Dieudonné est arrivé là-dessus, il lui a dit, quand même, quand même, c'est pas sérieux, nous sommes de Bourbaki et on fait de la mauvaise axiomatique. Bon, et Dieudonné a refait la, la bonne axiomatique. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont développé à cette époque-là, ensemble, euh, Schwarz et Dieudonné ont publié un article qui s'appelle La dualité dans les espaces F et LF, où la topologie faible joue un rôle important aussi, la dualité dans les espaces F et LF. Et c'était ça, je veux dire, la réponse que Dieudonné a apportée à Schwarz pour rendre rigoureux euh, tout ce qui était un peu vaseux dans, dans la première édition de Schwarz. Alors, le, la suite de l'histoire, c'est Guelfand. Quand Gelfand a publié à son tour, euh, des, années beaucoup, des, années bien plus tard, des années bien plus tard, sa série de fonctions, des, sur les fonctions obobsen, enfin, bon, obobsen, obobcheni en gris, OB généralisée, généralisé, bon. et le, la plaisanterie qu'on faisait, c'était obobsen. Bon. Et alors, euh, obobsen, et euh, Gelfand, Gelfand dit dans l'introduction, je n'ai pas besoin de toutes les finesses de l'analyse fonctionnelle pour définir les distributions, je vais vous donner une définition terre à terre. Bon qui est la même bien sûr mais qui est, qui est plus explicite et, bon, et c'était un peu c'est un peu justement ça illustre deux manières d'aborder ces mêmes problèmes on dirait en gros la, la, la manière russe et la manière française bon, bon en général disant bon enfin bon. alors bon à ce moment-là voilà donc euh, Grotonique pardon n'est pas encore là euh, il y a la dualité dans les espaces F et LF, et à la fin Bon, Il y a deux choses nouvelles. D'abord, F, ça veut dire fraîchet. Et pour, 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 pourquoi est-ce que le foncteur sonne deux fois Parce qu'un fraîchet, c'est une limite projective d'espace de Banard. Et un élève c'est une limite inductive d'espace qui sont eux-mêmes des limites projectives. Alors, si on ne retrouve pas les, les, les catégories là-dedans, c'est qu'on est aveugle. Bon. Et le, donc, l'espace F et LF, les topologies faibles, etc. Donc, donc alors, il y avait à la fin de cet article de, de Donné Schwartz, il y avait un certain nombre de problèmes, je crois qu'il y en a 14 officiellement, 14, qui portent sur des points variés, qu'est-ce que c'est que les ensembles faiblement compacts dans telle situations, etc. Et euh, quand l'arrivée Tony Truand de Grotendieck, c'est qu'après une année, bon, il, quand il a quitté euh, sa, son alma mater, c'est-à-dire... Euh, c'est-à-dire... Euh, euh, pour Montpellier, Montpellier, son alma mater Montpellier, il arrive à Paris avec une, une bourse, bon, c'est une histoire invraisemblable. Après la guerre, un nommé Magnin, qui était un ami d'André de de, Veil, qui a la même promotion que lui ici, un, André Magnin, inspecteur général de mathématiques, a ses vues donné comme mission de faire le tour de tout ce qu'il y avait en France, euh, le lycée minable, et de déceler des jeunes gens qui étaient de talent, mais que la guerre avait bousculé, maltraités etc., et de leur donner les moyens de se, de se développer. Bon, et quand Magna arrive à, à Montpellier, il se dit bon, il a, il a un dossier pour un nommé Alexandre Cantonique. Il prête pas trace. Donc il dit bon, ben, je vais le recevoir en un quart d'heure, on aura arrivé. Non, il a fallu deux jours. Mania <laughs> ben, a raconté ça plusieurs fois dans ses mémoires et le, ou, les lettres à ses amis. Et bon, il, il, a, il a fait pour évaluer qui était le bonhomme qui était là, qui était complètement hors norme, bien entendu, complètement hors norme, mais sera ré réalisé ça. Il y a, il y avait, bon, dans le défunt système soviétique, il y avait des points positifs. N'oublions pas qu'il y avait quand des points positifs dans le défunt système soviétique. En particulier, il y avait cette chasse aux jeunes talents. Et bon, et des gens comme Gelfand, qui étaient des, des, grandes, des grandes stars, allaient passer euh, deux mois dans un lycée minable, de, enfin, plus ou moins minable de province, où on lui avait signalé qu'il y avait quelques jeunes gens... Pas beaucoup de jeunes filles, mais enfin quelques jeunes gens euh, de talent. Bon. Et, et il, les, il essayait de les récupérer. Et il leur donnait, on leur donnait des bourses, etc. Donc euh, Grothendick avait été récupéré pour ça. Bon, Je ne vais pas vous refaire l'historique de Grothendieck euh, avant 1948. Avant bon, en gros, en gros, bon, ben, c'était un réfugié, une personne déplacée, un réfugié qui venait de où Du Moyen-Orient Non. De, des plaines de l'Europe de, 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 de centrale, de, de l'Ukraine. De, de bon, qu'est-ce que c'est que ça, l'Ukraine Qu'est-ce que c'est que ça, l'Ukraine Bon, etc. N'oublions bon. pas qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait en Europe 35 millions de réfugiés. 35 millions Venant de tous les bouleversements qui s'étaient produits par la Seconde Guerre mondiale, on a su les, accept, on a su les assimiler. Donc, je, passe, je, je, mentionne ça au passage, je mentionne ça au passage. Je mentionne aussi pour le, pour, pour, pour le titre anecdotique que j'étais récemment au Kurdistan irakien, je ne sais pas si je pourrais y retourner d'ailleurs, et que je, le jour de Pâques, j'étais dans une, une église chrétienne. Bon, C'est compliqué les églises chrétiennes d'Orient, enfin bon, ça devait être des syriacs, Enfin, en tout cas le, la langue la liturgique c'était le syriac, et j'étais à la tribune pour, pour ne pas gêner, pour pouvoir partir sans gêner. Il y avait une bande de jeunes filles qui étaient le cœur de la commune. Ma, ma, ma petite fille de 17 ans qui est membre d'un cœur, comme ça, elle se serait fait des copines en 10 minutes, c'est clair, clair. Bon. Tout ça, ça me, déca... ça me, ça me sort de Grothendic. Mais enfin bon, non, ça ne me sort pas de Grotendick, parce que c'est une des composantes importantes de Grotendick, Ce côté, ça, ça explique, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, ça explique en grande partie, en tout cas, son évolution personnelle. C'est une victime à retardement de Hitler. Bon, alors, arrivé de Grotonique, il arrive en, en trombe, alors il était venu d'abord en 48 sortant de Montpellier, il arrive ici, il y avait le séminaire Carton. bon, euh, déjà Serre était une des grandes stars, euh, bon, Grotonique arrive ici, bon, il dit qu'il n'a qu pas, je pense qu'il bluffe un peu, il dit qu'il n'a rien compris à ce qu'il se dit, ça m'étonnerait, mais enfin bon, en tout cas, ce n'était pas les choses qu'il avait en tête, parce qu'à cette époque-là, il avait en tête l'analyse fonctionnelle, puisque... Quand il était étudiant à Montpellier, il avait reconstitué pratiquement tout seul, à peu près tout seul, l'intégrale de Lebesgue, avec peu de renseignements. Il avait à peu près tout reconstitué. Et sous une forme naturellement ultra générale. Et quand il arrive ici, bon, ben, il, 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 il pensait il, après, avec la bourse de Magna, en deux mois, il aurait fait sa thèse. <laughs> C'était un peu optimiste. Et bon, l'accrochage avec Cartan n'a pas été vraiment merveilleux. faut dire que. Un, un anard comme Grotendieck, euh, sans éducation, une personnalité, bon, bon, un chien fou, un chien fou, et monsieur le professeur Cartan. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Hein, bon. Monsieur le professeur Cartan, euh, beau, euh, gendre de monsieur le professeur Weiss, le, le physicien de Strasbourg, etc., euh, protestant, très très, protestant très strict. Tout ça, tout ça, ça ne collait pas bien avec euh, cette espèce de chien fou qui était grotantique. Bon, donc, euh, il, a, il a... ça s'est passé en un an ici, dans, dans, je ne sais pas, cette celle-ci n'existait pas encore à l'époque. Et, le, donc, euh, et à, à la fin, bon, euh, Carton un peu gêné, qu'est-ce que je vais faire de lui Il a reconnu évidemment son talent, c'était inévitable. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui alors André Veil qui passe à lui, envoie-le à Nancy. Envoie-le à Nancy. Là, il sera bien encadré par Dieu Donné Schwarz. Et bon, euh, on verra ce qui se passe, on verra ce qui se passe. Les relations entre André Veil et Grotenick n'ont pas toujours été le bon fixe, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin c'est encore une autre histoire. Il faut dire que Grotenick, si on, si, on si on fait le détail des gens avec qui il s'est pas entendu, il y en a beaucoup. <laughs> Moi je m'entendais fort bien avec lui à condition d'avaler quelques couleurs frais, J'avoue, j'ai avalé quelques couleurs fraîches d'une fois avec lui parce que je ne voulais pas me brouiller avec lui. Bon, Et je le maintiens que j'étais un de ses amis et que, et que dans, dans ses mémoires, il ne m'a pas trop égratigné. Bon, un tout petit peu par-ci, par-là, enfin, il faut, je, je peux reconnaître les endroits où il mais ce n'est pas très visible. Bon, alors voilà. Donc à la fin de à la fin, bon, Grotonique arrive là-bas, et le papier de l'article de Schwartz et, et Dieudonné est terminé. Et à la fin, il y a toute une série de problèmes, comme je l'ai dit. Alors, bon, euh, Dieudonné lui dit, bon, ben, écoutez, euh, voilà, euh, c'est pas la peine de refaire les choses déjà connues. Dieudonné, euh, Dieudonné lit le mémoire sur l'intégrale de Lebec qu'avait écrit Grotonic, mais bon, enfin bon, pour lui, c'était... C'était évident, même si bon, c'était du connu, c'était du connu. Ne faites pas, ne répétez pas, la, ne refaites pas le connu, faites du neuf. Bon, alors voilà, 14 questions. Et alors, bon, euh, les questions étaient, elles avaient été posées, bon, ce n'était pas à la légère que Schwarz et à avaient posé ces questions, ce n'était pas simplement à la fin comme ça pour faire une liste, mais bon, les questions étaient, étaient difficiles. Et d'après la légende, un jour à l'Institut Élie Cartan... Euh, euh, Dieudonné était au deuxième étage, je crois que c'était le rayonnage de la bibliothèque, et Schwartz était au rez-de-chaussée, et Dieudonné de voix de stanton crie « Il a tout résolu <laughs> !» À partir de ce moment-là, ils ont eu de l'estime pour, pour Grotonik. En plus, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, Grotonik était un assez bon pianiste. Il allait souvent chez, euh, chez Schwartz jouer du piano chez Schwartz. Et il avait même loué, alors qu'il vivait assez misérablement, il avait même loué un piano. Bon, et il jouait assez bien. Moi, je ne l'ai jamais entendu. Bon, alors maintenant, bon, alors voilà. Donc on arrive, Grothendieck déboule comme le chien fou à Nancy. Il y avait aussi godement que je n'ai pas, pas commenté, mais enfin, godement, le bougon éternel, le bougon éternel, <laughs> et qui a été mon patron de thèse officiellement. Bon, oui, officiellement. <laughs> bon, enfin bon. Elle, euh... bon, donc, mais Godman, oui, c'est important. Gaudement avait une femme qui était, qui, qui était russe d'origine. Et donc, s'il ne lisait pas vraiment le russe lui-même, sa femme lui a traduit des quantités d'articles, des quantités d'articles russes. Et ce qui s'était développé dans les années 40, dans les années 40 en Russie, c'était absolument merveilleux. Et il a été, bon, euh, Goldman avait écrit avec Cartan un, 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 un article qui mettait au point les, les, les énoncés d'André Veil dans son livre sur les groupes topologiques, c'est-à-dire la, 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 la transformation de Fourier sur les groupes localement compacts, commutatifs les plus généraux. Bon, et le, le, le livre d'André Veil est très inspirant, mais bon, le, ce passage-là, pas, c'était pas, pas un analyste. André Veil n'était pas un analyste, bien qu'il était capable de faire d'analyse, mais enfin, ce n'était pas pas d'analyse. Et alors, Cartan et Schwarz et Dugonnement avaient refait ça, avec des méthodes bon, un pays, enfin, imparables. Mais quand, vers 1948, on a vu arriver la production russe de l'époque, la soviétique, disons, de l'époque, ils ont été complètement bouleversés. Parce que ces choses-là, bon... Kolmogorov en avait… non, pas, 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 pas Kolmogorov, euh, un, un autre soviétique, avait… avait Pontryagin. Pontryagin avait formulé la dualité des groupes localement compacts commutatifs. Il, il, il disait, on, on doit pouvoir faire un transmis de Fourier, mais il ne l'avait pas fait. Euh, bon. Mais, entre-temps, Gelfand, j'ai déjà dit que Gelfand ressortirait, Gelfand était né. Et Gelfand a publié sa thèse en 1939, en allemand, comme je vous dis. En allemand. Alors Gelfand, euh, Gelfand et alors on va le retrouver beaucoup chez Kontsevich, il a fait sa thèse sur les algèbres normées, grande invention, algèbre normée, on dit, ou algèbre de Banach, grande invention. Et en particulier, ce qui sera quelque chose d'important pour la suite, il formule, il définit, il formule, bon, il décrit ce que c'est que les C-étoiles algèbres, bon, c'est un détail technique, et il démontre les catégories pointe le nez. Que la catégorie des C étoiles algèbres commutatives est équivalente à la catégorie des espaces compacts. C'est bon, pas dit dans le langage des catégories, mais c'est ça que ça dit. Si je me donne un espace compact, je prends les fonctions continues dessus, ça me fait un espace de mana où il y a une multiplication, parce qu'on peut multiplier deux fonctions point par point. Elle satisfait un certain nombre de propriétés, la norme satisfait en particulier que le la norme du carré, c'est le carré de la norme, c'est le, le, le point crucial, le carré de la norme, c'est le carré de bon, c'est évident sur ça. Et inversement, si on se donne abstraitement une algèbre de Banard, c'est-à-dire un espace de Bana avec une multiplication commutative et euh, qui euh, satisfait à cette règle-là, la norme du carré, c'est le carré de la norme, eh bien on peut reconstruire ce que, ce que Gelfand appelle le spectre, le, spectre, le même mot ce n'est pas par hasard, le spectre de l'algèbre et on peut on peut on bavarder au choix avec le moyen des espaces de compacts ou les algèbres normées. Ça c'est bon, un des plus beaux résultats, les plus beaux résultats de, de, de Gelfond dans sa thèse. Bon, il y a des tas d'autres résultats, mais enfin bon, je cite le plus frappant. Donc Goldman apprend, apprend ça par l'intermédiaire de sa femme qui disait bien le russe et qui lui traduisait. Et donc, euh, eh bien, Grotonique n'a pas eu les oreilles fermées pour tout ça. Bien sûr qu'il avait les oreilles ouvertes. Alors ensuite, bon, il s'agit de faire une thèse. Alors les 14 problèmes résolus, bon, euh, certains disent, chacun d'eux aurait valu une thèse. Bon, c'est un peu exagéré. Mais enfin, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui, qu bon, même avec la thèse renforcée de... Et même avec l'habilitation aujourd'hui, bon... Disons qu'il aurait pu avoir une habilitation avec ça aujourd'hui. Bon, le 14 14 problèmes. Mais, euh, à ce moment-là, entre en jeu lorange Schwartz. Alors, l'Orange-Farce, avec ses distributions, a fait un des plus beaux théorèmes de lorange Schwartz. C'est ce qu'on appelle le théorème des noyaux. Le théorème des noyaux, ça dit que, bon, les, les physiciens n'hésitaient pas, quand ils avaient un opérateur agissant sur les fonctions, à l'écrire comme un opérateur intégral. L'opérateur identité f de x égale intégrale sur y de f de y delta, delta de x moins y. La fonction de Dirac, de Dirac a été inventée exprès pour ça. Bon, bon delta, de x moins, delta de x moins y, c'est quelque chose qui n'existe pas en tant, que, en tant que fonction, mais en tant que fonction généralisée, ça existe en tant que distribution. Et le théorème des noyaux, c'est une généralisation de ça. Tout opérateur raisonnable qui agit sur des fonctions peut se représenter par comme un opérateur intégral à condition. Ou de d'écrire qu'x est une fonction, d'employer une distribution. C'est un, un, un beau théorème, c'est vraiment un beau théorème. Non, ton, ton, non seulement, ça, 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 instantanément, ça justifie la plupart des calculs des physiciens à ce sujet-là, et Dirac le savait parfaitement, puisqu'il avait inventé ça, son delta pour ça, et euh, donc c'est un, un des plus beaux théorèmes. Bon... Euh, il est revenu plusieurs fois sur la démonstration. Bon, on a été... Moi aussi, j'ai donné une ou deux démonstrations du théorème des noyaux. Bon, il fallait tous les élèves autour de Schwartz, évidemment, se devaient de redémontrer le théorème des noyaux. Bon, Et Laurent Schwartz va voir Grottenick, et lui dit ben, Il y a ce théorème des noyaux Qu'est-ce qu'il a, ce théorème des noyaux ben, il dit qu'on peut l'interpréter en disant qu'une forme bilinaire, ce n'est plus une forme linéaire, c'est une forme bilinaire sur des espaces fonctionnels convenables, s'interprète comme une. Bon, disons qu'une forme bilinaire, où on a une fonction f de x, une fonction g de y de deux variables différentes, on a une expression qui dépend de f et de g de manière bilinéaire, avec des hypothèses auxiliaires techniques, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui ne dépend que de la fonction f de x, g de y vu comme fonction de deux variables. Autrement dit, Bon, le produit tensoriel, c'était inventé pour ça. Si on a des fonctions d'une variable x et des fonctions d'une variable y, le, 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 le produit tensoriel, c'est les fonctions qu'on peut écrire comme somme, en principe finie, somme de fi de x, gi de y. La signification, une des significations profondes du produit tensoriel, c'est celle-là. Bon, alors, euh, mais il y a des conditions de continuité, bien entendu. N'importe quelle forme linéaire n'est pas continue. Bon, donc il y a des conditions de continuité. Et Schwarz se dit à Grotonique, écoute, bon, nous sommes en Algèbre, on est familier avec cette idée qu'une forme bilinaire, c'est une forme linéaire sur le produit tensoriel. Fabrique-moi le produit tensoriel qui convient. Bon, c'est une première chose à faire. Bon, fais-toi, fais-toi, fais-toi les, les dents là-dessus. Au bout de quelques semaines, Grotenick revient dépité. Mais qu'est-ce qui se passe J'en ai deux, deux produits tensoriels topologiques. Oui. Bon, c'est plutôt embêtant. Lequel tu veux Il dit à Schwartz. Bon, euh, en fait, c'était la clé de tout. C'est-à-dire qu'il y avait un moment deux, deux produits tensoriels. Bon, pour, les, pour les experts, il y en a un qui est exact à droite et l'autre exact à gauche. C'était ça leur vertu, les produits tensoriels. Il y en a un où, si on prend le produit de deux espaces de fonctions intégrables, L1 fois L1, pour l'un, le pi, ce qui s'appelle Pi, c'est un nouvel l de deux variables. Maintenant, si je prends les fonctions continues, c'est zéro fois c'est 0, pour l'autre produit tensoriel, j'obtiens les fonctions 0. Donc, il n'y a pas de, de produit tensoriel qui, si j'ai un espace fonctionnel de variable X un espace fonctionnel de variable Y, me fabrique automatiquement un espace fonctionnel de la même classe pour X et Y. Bon, alors, euh, bon, euh, déception, déception. Et jusqu'au moment où je ne sais pas qui de Schwartz ou de Grotonic a eu l'idée, mais peut-être que dans le cas qui nous intéresse, il n'y en a qu'une. Notion de produits tensoriels. Ça veut dire que il y aurait des espaces qui où les, les deux notions coïncideraient. Et à ce moment-là, on va les appeler nucléaires parce que ce sont ceux qui font marcher le théorème des noyaux. Bon, alors, Grotendieck met ça au point, met ça au point, et effectivement, il invente deux, il invente d'un coup, le même coup, non seulement les produits tensoriels, les deux espèces de produits tensoriels. Puis après, après dans, dans le papier dans le papier brésilien dont on nous parlera plus tard. Il y a 14 espèces de polynômes réelles, et 10. ce sont ceux dont on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas négliger. Tout. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin il y en a, a 14. Et le théorème clé, c'est qu'il y en a deux qui, sont, qui, sont la même, qui donnent la même chose, c est, c est la, le fameux théorème de Grothendieck sur la constante de Grothendieck dont on nous parlera plus tard, c'est ça. Bon voilà. Alors bon, euh, le, donc euh, Grotonique est bien parti avec tout ça. Alors en fait, sa thèse qui est écrite en 1953, soutenue en 1953 à Paris, euh, avec une seconde thèse, j'ai retrouvé les documents récemment, sur les faisceaux. Seconde thèse, à l'époque il y avait deux thèses, vous hein. vous souvenez qu'à l'époque il y avait deux thèses. La première thèse, c'était le travail qu'on avait fait. La deuxième thèse, chez, chez les littéraires, c'était un, un vrai travail de thèse. Chez les scientifiques, bon, on, on demandait de faire un compte-rendu sur un sujet qui était différent de celui de la thèse. Et moi-même, j'ai donné un certain nombre de fois des sujets de seconde thèse. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Ça garantissait qu'un nouveau thésard avait quand même une vue un peu plus large que le petit secteur sur lequel il avait gagné ses galons. Bon, enfin, de reviens, non, non pas si je me lance dans la, la réforme de l'université de l'enseignement, on n'aura pas fini, on n'aura pas fini. Bon, alors ensuite, donc, donc il avait, alors il y avait, il y avait donc, mais il y avait la thèse en fait. Il y avait trois thèses, si il te dit. Il y, en avait deux, il y avait deux mémoires qui, 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 ont, qui, qui sont parues trois ans plus tard euh, dans une euh, édition anglaise, enfin dans une édition en français, mais d'une revue américaine, qui a posé d'ailleurs un certain nombre de problèmes. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et, bon, et, et la thèse elle-même est divisée en deux parties, deux parties costauds. La première, ça s'appelle Produits Tensoriels Topologiques. Bon, c'est là où il développe, euh, bon, les, il n'y a pas encore les 14, mais il y a les deux, il y a le, le epsilon et le pi, bon, etc. Et toutes les propriétés, toutes les propriétés qu'on appellerait le Parce que le, déjà là, il est conscient, bon, que, bah, pour parler de le jargon d'aujourd'hui, l'un des deux produits, tensoriels est exact à gauche, l'autre exact à droite, et que, bon, et que la compatibilité avec le, avec le dual, bon, les, bon les, tout ça, ce sont vraiment des, 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 des préoccupations de gens... Qui sont des catégories Malheureusement, malheureusement, les espaces vectoriels topologiques font pas une bonne catégorie. C'est pas, c'est pas une catégorie abélienne. C'est pas bon. C'est comme euh, dira, comme on dira plus tard euh, Serre. Bon, euh, tant qu on, quand on est arrivé dans, dans les, dans, quand était arrivé avec les nouvelles méthodes de schéma et tout ça, où il y avait aussi plein de, plein de produits tensoriels. Euh, bon, l'exposé de Serre sur, sur Gaga et tout ça, et puis bon, son, son fac, mais il me disait, ouf. Maintenant, on souffle. <laughs> Jusqu'à présent, on avait vraiment bavé pour euh, faire marcher dans des, des méthodes catégories, dans des catégories qui n'étaient pas bien adaptées, mais cette fois, ça marche. Bon, alors ensuite, donc, il y a les, la première partie. Et la fin, c'est assez typique de Grothendieck, le dernier chapitre de cette première partie, c'est sur une conjecture qui était très célèbre à l'époque. Est-ce que tout opérateur linéaire compact entre espaces de Banard est une limite en norme d'opérateur de rang fini. C'est la, la fameuse conjecture. Bon. Alors, euh, elle a été démolie euh, quelques années plus tard, ben, oh, 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, elle a été démolie 15 ans plus tard. Le, le, le plus étonnant, c'est que le contre-exemple est très bête. Le contre-exemple est très bête. On prend simplement un espace sur sorbonne N'importe qui qui a fait de la fonctionnelle rencontré un espace de Hilbert. On prend tous les opérateurs linéaires continus dans un espace de Hilbert avec la norme des opérateurs. C'est un nouvel espace de Banard. Et bien, celui dans cet espace de Banard, le, le théorème en question est faux. Et c'est bon. Il y a eu un premier contre-exemple absolument tordu. Absolument tordu. Moi, je n'ai jamais réussi vraiment à le comprendre. Mais ensuite, il y a eu celui-là. Bon. C'était bon. Et donc, Grotendieck, c'est typique de Grotendieck. Le théorème, c'est 34 conditions équivalentes. <laughs> la conjecture en question est équivalente à 34 énoncés. Et il fait, fait, fait tous les allers-retours entre tous ces énoncés-là. Bon, 34, je ne sais plus s'il les fait complètement, mais enfin, il énonce les 34 et, et il, a, il en établit en détail un certain nombre. Bon. Ça, c'est Grotendig. La généralisation, la généralisation. Bon, alors ça, c'est le premier. Bon, alors, presque aussitôt, euh, je fasse la première année où il était à Paris, il nous a fait un séminaire là-dessus, à l'IHP, qui m'a appris beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, je suis un des rédacteurs du séminaire, enfin bon, m'avait sous-traité à un, certains exposés, en tout cas, si je ne faisais pas l'exposé oral, à les écrire, bon. Et, et c'était, on avait l'impression de vraiment de quelque chose de nouveau. Avec chose de nouveau. Alors, c'est pas, les deux produits de transforiels, en fait, c'est pas une découverte. Mais Grotonique, de nouveau, de manière typique, ne disait pas ce qu'il y avait avant lui. Jamais il n'a lu ce qui était avant lui. Il y avait un élève de von Neumann qui s'appelait Schatten. Schatten qui avait écrit un, un, un petit livre, c'était la c'était une commande de, de, de von Neumann, où il décrit ce qu'ils appellent cross -norm, cross cross-norms, c'est-à-dire en gros tous les produits, toutes les normes raisonnables qu'on peut mettre sur un produit tensoriel. Et il y a les deux de Grotendieck, qui est l'une qui est la plus petite et l'autre qui est la plus grande. Donc Grotonique a bien fait l'encadrement. Et toutes les raisonnables sont entre les deux. Entre les deux. Mais Schatten avait écrit ça, et d'ailleurs, il, bon, il y avait un certain nombre de corollaires de, que Schatten avait déduits sur les opérateurs dans l'espace de Hilbert, et que, que, que Grothenick bon, a redécouvert, et Dixmier aussi. Enfin, Dixmier et ont on redécouvert ça ensemble. Et le, mais c'était fait par Schatten beaucoup bien avant, au moins dix moins ans avant. Mais Grothenick n'a jamais lu ce qui venait avant lui. Vous vous souvenez de... Ah, quand euh, un visiteur à l'IHS, il a dit, ici, on ne lit pas, on écrit. <laughs> se plaignait, un visiteur qui se plaignait que la bibliothèque n'a pas grand-chose. Ici, on ne lit pas, on écrit. <laughs> les livres, on les écrit. Alors, donc, donc Chatton était arrivé avant. Bon, mais c'est vrai que Chatton s'était limité essentiellement aux espaces de Hilbert. Et euh, bon, alors... Pour les spécialistes de la théorie des espaces d'Hilbert, on en parle toujours aujourd'hui des classes de Schatten. les classes de c'était une terminologie adoptée, mais bon, pas, ça n'avait pas la même ampleur, certainement. Et surtout, bon, il a les théorèmes clés de Grothendieck, L1 fois L1 égale L1, C0 fois C0 égale C0, bon, ça, ce qui sont vraiment, les, les, quand on veut travailler, c'est ça le point de départ, c'est ça le point de départ qui est très fort, et... Bon, et ensuite, la deuxième découverte, eh bien, c'est ce que je disais, la, le, la déconvenue, la déconvenue quand... tu as le droit d'entrer, Si tu te mets devant la, la caméra en film moral, même... <laughs> Allez, ça. Alors, donc, j'en suis à la fin de Nancy, <laughs> tu vois que je suis pas encore au bout, <laughs> je suis à la fin de Nancy. Bon, et la thèse de Grothendieck. Alors bon, la deuxième partie, espace nucléaire, ben ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus profond, et qui mêle bien, il y a aussi les espaces nucléaires, il y a aussi les opérateurs nucléaires, enfin bon, tout ça, ça va ensemble. Et euh, les oui et c'est ça qui aura peut-être le, le plus de retentissement a posteriori a posteriori les espaces nucléaires c'est bon euh, quand on a les, les chaînes de Sobolev espaces Sobolev H H2, H etc on a on a c'est plus Là où y voyait des espaces nucléaires, c'est-à-dire, disons, l'espace des fonctions C infini, qui est un espace nucléaire, en fait, on voit plus, il est beaucoup plus intéressant de voir la chaîne des espaces de Sobolev, H1 contre une H2, dans ce H3, etc. Et la bonne définition d'un espace nucléaire, c'est quelque chose qui provient d'une chaîne comme ça, avec des opérateurs, enfin, les opérateurs de transition étant de Hilbert-Schmidt. C'est une limite projective ou inductive d'espaces de, 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 de Hilbert avec des opérateurs de liaison qui sont de Hilbert-Schmidt. Euh, Aujourd'hui, c'est ça qu'on prend comme définition, et ça évite, ça, ça explique que bon, ce que, ce que, que Gelfand avait dit dans son introduction, les subtilités de l'analyse fonctionnelle à l'orange. Enfin, j'en aurais pas besoin. <laughs> c'était l'esprit, c'était l'esprit de Gelfand. Bon, alors, donc euh, j'ai dit que euh, j'ai dit que était déjà intervenu. Bon, il est intervenu parce que euh, par l'intermédiaire de Goldman qui a fait connaître en France euh, ses travaux, euh, ses travaux, que, que, certains étaient en, en allemand, bon ça l'allemand c'était, il y a quand même pas mal de gens qui disent en France l'allemand, bon pas tous, mais enfin il y a quand même un certain nombre, on n'est pas obligé d'être alsacien comme moi pour lire l'allemand. <laughs> enfin bon, le et donc, euh, qu'est-ce que je disais, oui, c'est ça. Alors la thèse, bon la thèse ça a été effectivement, il euh, y a eu quelques difficultés parce que euh, c'était publié dans une revue, euh, dans une revue américaine, je, une, une revue de la, de la Société mathématique américaine, je ne sais plus laquelle, et le, le texte était en français. Et bon, ça, ils ont tiqué. En fait, c'était euh, à l'époque l'éditeur, c'était euh, Samuel Eisenberg, qui était parfaitement francophone, un polonais parfaitement francophone, germanophone, parfaitement francophone, parfaitement anglophone, bien sûr. Quand on est né à Lvov, Lviv, Lemberg, on est habitué à avoir six langues autour de soi. Bon. Lvov deux fois, avec un V avec un W. L'orthographe russe, c'est l'orthographe polonaise. Lviv, c'est l'orthographe ukrainienne d'aujourd'hui. Et Lemberg, c'était l'orthographe allemande. Bon. Alors voilà. Donc, je reviens à ça. Bon, le. Le spectre, j'ai dit que le spectre, c'était la notion de spectre que Grotonique réutilisera à fond plus tard. Elle est, elle, est, elle est, la terminologie, est chez Gelfand, pas tout à fait avec la même signification, mais même avec la, la même philosophie, je dirais. Bon, alors euh, euh, Gelfand s'est aperçu dans son grand livre sur les fonctions généralisées, au Bob Cheney, euh, il a compris que les espaces nucléaires, c'est ce qu'il lui fallait pour faire des probabilités en dimension infinie. C'est-à-dire, une intégration, est-ce qu'on peut faire une théorie de l'intégrale en dimension infinie Bon, et le... Ce n'était pas évident. Le modèle, bien entendu, c'était Feynman. Les intégrales de chemin de Feynman. Bon, et le mouvement Brunien, ou le mouvement Brunien, ça va ensemble. Bon. Euh, Feynman, j'ai passé 20 ans de ma vie à travailler dessus, et <laughs> je ne peux pas dire qu'on a vraiment la solution. Bon, et enfin bon, Feynman, mais Feynman montrait bien qu et le calcul des probabilités montrait bien qu'il fallait définir une théorie de l'intégration sur l'espace de dimension infinie. Et ça marche remarquablement bien sur les espaces nucléaires. Remarquablement bien. Grâce à toutes sortes de théorèmes auxiliaires, Sazonoff, euh, Minlos, etc. Bon. Donc ça marche très bien, ça marche très bien. Et euh, Gelfand a fait beaucoup de propagande pour ça. Et en particulier, il avait, euh, motivé par les applications à la physique... Il a fait une théorie des distributions aléatoires. Euh, et, ben, bon, et surtout, ce qu'il a montré, c'est que le théorème classique de Borner, que la transmission de Fourier d'une mesure, c'est une fonction continue et inversement, continue positive et positive inversement. Bon, ce théorème-là, en dimension finie, il est bien connu. Euh, en dimension infinie, c'est Minlow qui qu'il démontré. À vrai dire, mon élève Fernick l'a démontré à peu près au même moment, mais enfin. La difficulté de communication étant ce qu'elle était, <laughs> j'ai fait soutenir la thèse à Fernick sans savoir que Mignons l'avait fait parce qu'il y avait des difficultés de communication. Bon, après, on a rectifié, bien sûr. Et j'ai fait un exposé au séminaire Bombaki où j'explique toute cette théorie, toute cette histoire-là. Bon, donc, euh, Gelfand, Gelfand est intervenu deux fois dans la... Euh, il, il croise son chemin, se croise deux fois celui de euh, Grothendieck. Bon alors après la thèse, après la thèse soutenue en 53, publiée en 56, euh, il n'a pas de poste en France. En plus, il n'est pas français. Je vous ai dit, c'est un réfugié, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est euh, apatride. Il est apatride. Et d'ailleurs, bon, euh, son père étant, alors aujourd'hui on, on a le droit de dire qu'il était ukrainien. Pendant longtemps, on n'avait pas le droit de dire qu'il était ukrainien. L'Ukraine n'existait pas aux yeux de tout le monde. Bon, donc, il était ukrainien et en plus. Il était né dans le nord de l'Ukraine, au voisinage de la Biélorussie, dans un, le « Judenland, enfin dans, dans un pays hasidim, complètement dominé par les hasidim, complètement dominé par les hasidim. C'était là où il y avait les fous de Dieu, c'est-à-dire des gens qui se faisaient enfermer dans une tour, et avec un petit guichet, on leur apportait à manger là-bas. Bon, les fous de Dieu, c'est-à-dire des hasidim extrémistes. Et le, bon, et le père de Grothen dès 1904, a rejoint des groupes anarchistes anti-tsaristes, Traînait dans le coin. Puis ensuite, bon, il, a fait, il a fait la révolution de 17 dans les rangs des SR de gauche, c'est-à-dire une, de, euh, une des factions qui, d'abord alliée avec les Soviét avec les bolcheviks, s'est fait balayer ensuite. Euh, je vous renvoie au livre qui s'appelle Dix jours qui vont le monde de John Reed, où il est question de ça. Et, et d'ailleurs, il bon, y a un personnage qui a le même nom que le père de Grothendieck, et Grothendieck lui-même croyait que c'était son père. Il m'a dit Lis ce livre, tu verras ce que va me mon père en 1917. Renseignement pris, c'était Chapiro, il s'appelait Chapiro. Chapiro, il, il y a deux Alexandre Chapiro qui étaient dans le même parti. <laughs> bon. bon, alors bon, c'était. C'était. Bon, donc le, le père de Grotendieck est né là-bas. Ensuite, comme euh, il m'a dit un jour fièrement, mon père a fait de la prison politique dans 17 pays différents. Oh là là dit, il, ben, On va le mettre dans le Wuizwu. Alors, qu'est-ce que c'est le Wuizwu Oh non de la révolution, et ben il n'est même pas dans le louisou de la révolution. Même si vous prenez les ouvrages aujourd'hui, bon, bien documentés sur tous ces mouvements révolutionnaires, vous trouvez nulle part trace <coughs> d'Alexandre Chapiro. Il était anarchiste, il était SR de gauche. C'est encore pas bien accepté, ça, pas encore bien accepté. Bon. Alors bon, donc euh, ensuite, il se retrouve, euh, bon, il, fait, il, fait, il se retrouve en Ukraine. Et là, alors là, aujourd'hui en Ukraine, il est dans l'armée de Makno. Makhno, c'est un héros national en Ukraine aujourd'hui. Bon. Makhno, c'était le chef d'une bon, une faction. Bon, c'était... Bon, c'est compliqué Makno. Hein. C'est pas compliqué Makno. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire de la guerre civile de 17 à 24 en Ukraine. Bon, ce serait trop long. Mais Makhno, il, bon, il s'est battu contre les tsars, contre les troupes tsaristes, contre Denikov, les, les, les troupes blanches, contre les cosaques. Contre <laughs> contre les bolcheviks, etc. Enfin bon, c'était c'était à la fois un mélange de nationalisme ukrainien, d'hypergauchisme, de, 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 d'hypergauchisme, de, de communisme communisme libertaire, bon, euh, de, de communisme paysan. Enfin tout tout ça. Bon, bon, a pas à mon avis, à ma connaissance, je n'ai jamais lu une bonne biographie de Macron. Mais Macnault, j'en ai entendu parler en pagaille, parce qu'après la, la guerre civile espagnole, chez moi, ils sont arrivés un certain nombre de fugitifs des de républicains espagnols et qui m'expliquaient, ah, oh, Macnault, tu ne sais pas qui c'est, mais <laughs> c'est ce qu'on voulait faire à Barcelone à l'époque. Mmh. Bon. D'ailleurs, je rêve d'une pièce de théâtre où on mettrait en scène Simone Veil dans la colonne d'Uruti. Et les parents de Grotonik dans la colonne d'Uruti, ils y ont été en même temps. <laughs> J'imagine, je, je, je cherche. Si vous avez des tuyaux pour quelqu'un qui, qui veut... Non, le, le scénario, je peux l'écrire. Le, le dialogue, je ne sais pas. Ce n'est pas mon métier. <laughs> bon, alors. Maintenant, donc, après ça, Grottenic, Donc tout ça, c'est euh, euh, un rendez pour expliquer que Grotenic était apatride. Il est né en... Euh, son père était russe. Enfin, ou ukrainien, enfin, ou enfin, ce que vous voulez. Mais, bon, il a fait toutes les révolutions. Comme il a été chez Belakoun, il a été chez les soviets de Berlin, les soviets de Munich. Il a, bon, il a été dans la guerre civile espagnole. Enfin, il a, il, a, il a tout fait. Comme je disais, il devrait être sur le ou de la révolution. Et alors, donc, le, et alors, mon euh, indique n'est pas français. En fait... Il n'est devenu français qu'en 1971, alors qu'il aurait été assez facile avant, avec quelques coups de pouce, il aurait été assez facile de le faire naturaliser français avec quelques coups de pouce. Mais il a toujours refusé. Toujours refusé, son, 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 son argumentation, c'est « je ne veux pas faire le service militaire en France ». Bon, bon, ça peut se comprendre, <laughs> je me dis, ça peut se comprendre. Je me souviens des engueulades qu'il m'a fait Pourquoi tu n'as pas déserté pendant la guerre d'Algérie <laughs> ?» J'y ai songé, mais bon, <laughs> pas si évident, pas si évident. Donc, à ce moment-là, bon, il a, après sa thèse, il n'a il a, il a rien. Donc, comme il y a eu à l'époque Zariski, puis André Veil, puis Dieudonné, puis Laurent Schwartz sont allés au Brésil, c'est-à-dire à Sao Paulo. et c'est ça, sa Sao Paulo, sont allés à Sao Paulo. Bon, ben on envoie Grothendieck là-bas. Pourquoi pas donc il y reste deux ans et il y a parmi le, sa production de l'époque, il, il y a un cours sur les espaces vectoriels topologiques et c'est là que je crois que <laughs> la citation de donné se place le mieux. Il a tué la théorie, c'est-à-dire qu'après ce qu'il avait fait personnellement à ce cours, il n'y avait plus rien à dire, plus rien à dire. Bon, bon comme toujours, c'est pas vrai, une théorie, une théorie ne meurt pas complètement, mais enfin bon, en tout cas, elle s'était asséchée pour un certain moment. Il avait asséché les choses pour un certain moment. Heureusement, en géométrie, euh, il n'a pas asséché les choses. Ça aurait pu se faire, hein, ça aurait pu se faire. Bon, alors, ensuite, là, donc, euh, il a... Il va là-bas, il fait un cours sur les EVT. Il y a cet grand article dont, dont on vous parlera plus tard, Pizier vous en parlera plus tard. Et, euh, bon, il y, a, il y a des aventures compliquées, il y a des aventures compliquées. Euh, une lettre, en, une lettre enflammée en allemand que j'ai retrouvée dans un livre qui m'avait prêté. <laughs> Sa conquête brésilienne. <laughs> bon. et, et alors, bon, maintenant... Bon, d'accord. Alors je viens à la... J'arrive, maintenant je vais vous faire la transition entre les deux grottes 53, la, publication de sa, 53 la, la défense de sa thèse et la publication en 56. Le cours, euh, le, le cours du Brésil de, qui est de 56 ou 57. Et puis, il y a la transition qui va de 53 à 58. On va voir les deux Grotendieck en, en, en collaboration, l'ancien et le nouveau. Alors, ça commence par quoi Eh bien, ça commence par une collaboration qui groupe Cartan, Serre, Schwarz et Grotendieck. Si vous recherchez dans les, les œuvres complètes de Cartan ou de Serre, vous trouverez à l'époque plusieurs théorèmes importants. Euh, C'est l'époque où Cartan s'intéresse aux fonctions analytiques de plusieurs variables complexes. Et il y a des problèmes d'analyse assez difficiles. Il y a des problèmes d'analyse assez difficiles. Et, bon, et alors, euh, en particulier, Cartan et Serre, le, le, bon, le, le théorème de dualité de Serre, la première, version, la première version, est formulée avec euh, euh, des espaces de Banach, des espaces vectoriels topologiques, et visiblement Serre a besoin d'un coup de pouce. Mais, il ne le cache pas, il a besoin d'un coup de pouce. Que Grotonique ou Schwartz lui donneront. Et puis il y a plusieurs articles, aussi Gaga, le, le fameux livre Gaga où, où, où Serre fait la, la comparaison entre géométrie algébrique et géométrie analytique avec plein de jeux de mots, bien sûr. Et géométrie analytique voulant dire les méthodes d'analyse de la géométrie et la géométrie, enfin, dire, et la géométrie et des fonctions analytiques, enfin il y a plein de jeux de mots à sous entendu Et euh, à chaque fois, il euh, y a, bon, euh, si on regarde les notes au compte-rendu qu'ils ont publiées, il y a en un petit, un petit, un petit caractère Nous remercions Laurent Schwartz ou nous remercions Alexandre Gontendy pour nous avoir expliqué, bon, euh, bon effectivement. On, c'est des histoires de perturbation, de perturbation d'opérateurs. Quand on perturbe un opérateur, enfin, aujourd'hui c'est la perturbation des opérateurs ce fait donc par des opérateurs compacts. C'est quelque chose qui est bon, aujourd'hui bien, bien intégré, bien compris. Mais enfin, à l'époque, c'était quand même des notions assez nouvelles. Ça, ça faisait partie de l'héritage de, de, de la thèse de Grotonique. Bon, alors... Euh, oui. Mais alors je disais que le... Bon, le oui, mais je reviens au séminaire que Schwarz a fait dès sa première année à Paris sur Grotenick. Et le, il y a un dernier chapitre là-dedans qui en fait est un inédit. C'est-à-dire que Laurent Schwarz nous raconte dans cette dernière exposition, c'est la fin de son séminaire, des choses qui n'ont pas été publiées par Grotenick, mais que Grotenick lui a apprises. Bon. Alors, euh, il y a ce qu'on appelle le théorème de Cunette vectoriel topologique. Pour les algébristes, le théorème de Cunette, ça fonctionne bien quand on a deux complexes qui sont plats sur l'anneau de base. On fait le produit tensoriel, l'homologie du produit tensoriel, c'est le produit tensoriel de l'homologie. Et ça, la, la, la réalité, c'est que quand on a des modules plats, la vraie définition des modules plats, c'est que ça rend le polytensoriel tensoriel exact à gauche et à droite. Alors que normalement, il n'est qu exact que d'un côté. L Espace nucléaire, évidemment. J'ai dit plusieurs fois. Les, les espaces nucléaires, c'est les modules plats. Bon, pas toujours, bon, les algébriques pures et dures m'ont dit, qu'est-ce que tu racontes bon, bon, bon. Mais c'est vrai, la stratégie est la même. Alors le théorème de Cunette qui dans les d ouvrages d'algèbre, par exemple, bon, dans le livre de Cartan et Heidenberg, se démontre par des modules plats, il y a plein, 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 plein d'exposés aujourd'hui, euh, il faut avoir... Un, bon, si on, le, si on veut le formuler dans des, dans des, sous des hypothèses d'analyse fonctionnelle, il faut l'équivalent, c'est-à-dire qu'il faut des espaces nucléaires. Donc si j'ai deux complexes formés d'espaces nucléaires, ben, le produit tensoriel se comporte comme il faut. Alors à quoi ça sert, ça ben, Ça sert à démontrer un théorème de Dolbo. Peut-être il serait plus égal de dire une conjecture de Dolbo. Bon. L'histoire est un peu compliquée. Dolbo a une intuition remarquable qu'il bon, qu fallait le, ce qu'on appelle le débat complexe. Le débat complexe, c'est une intuition remarquable. Mais il n'avait pas le, le savoir-faire analytique suffisant pour le démontrer. Il a essayé bien des fois de le démontrer, il n'est jamais arrivé. Et en fait, bon, si vous regardez le séminaire Cartan, il y a un endroit où ça apparaît dans le séminaire Cartan, sous la plume de serre, et il dit « Je remercie Grotonique pour la démonstration du théorème clé bon. ». Et en fait... Bon, pourquoi il faut des théorèmes des, Bon, il y a, a d'autres démonstrations. Moi, j'en ai donné une autre, du théorème de Dolbeau, mais enfin bon, ce n'est pas, 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 pas très, très difficile à faire. Euh, le problème, c'est que les fonctions de plusieurs variables, l'idée, c'est que les fonctions de plusieurs variables, c'est le produit tensoriel d'un certain nombre de copies des fonctions d'une variable. D'ailleurs, en mécanique quantique, en physique quantique, c'est ça qui fait l'importance du produit tensoriel. En, des espaces de Hilbert, c'est que si on a deux systèmes mécaniques, l'un qui est gouverné par un certain espace de Hilbert, l'autre par un autre espace, si je veux combiner, ces deux, combiner ces, deux, ces, deux, ces deux systèmes en un seul, il faut faire le produit tensoriel. Bon. Ça, c'est le, le, euh, ce qui avait beaucoup troublé Heisenberg au, au départ, et ce qui est aujourd'hui, en fait, la clé de l'intrication. L'intrication, c'est que ce n'est pas un espace de Hilbert, mais c'est un produit d'espace de Hilbert. Et ça, c'est bon. Et d'ailleurs, Pisier dit que, bon, dans l'intrication, il y a, y a, la, dans, dans le, y a les, la constante de Grotonique, et il en parlera ici. La constante de Grotonique intervient dans, 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 la, 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 dans les évaluations de, 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 des inégalités de Bell, la, la formulation précise des inégalités de Bell. Bon, donc, il y avait... Bon, alors, ce théorème, Dolbeau l'a deviné. Dolbo en a tiré des conséquences merveilleuses, mais il n'avait pas donné de démonstration. Moi, bon, après tout, hein, c'est fréquent hein, en maths, hein, c'est fréquent que là ait la bonne idée et qu'il faut quelqu'un pour achever la, 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 le, le travail. Ça n'a rien de déshonorant pour personne. Bon. Ni pour celui qui avait fait le départ, ni pour celui qui. Pardon Tu connais la phrase de Tom Il y a les grands mathématiciens, ceux qui trouvent des théorèmes, et puis il y a les autres, ceux qui les démontrent. <laughs> oui, donc. Non, Dolbeau n'avait pas, <laughs> pas ce cynisme. Bon, alors, voilà. Donc, euh, le cunet vecteur est topologique. Alors, est, donc, est que le problème, c'est de ramener les fonctions de plusieurs variables au cas des fonctions d'une variable. Alors, on, on, pour une variable, il ben, faut résoudre l'équation df sur dz bar égale g. Faut ça, ce n'est pas trop difficile. C'est de la théorie du potentiel logarithmique. C des, enfin, c'est des choses standards d'analyse, d'analyse, même pas fonctionnelle. C'est des choses standards d'analyse. Le potentiel logarithmique, il est un petit peu, il est un petit peu boiteux, mais enfin bon, il est moins intéressant que les autres, mais enfin ou plus intéressant, ça dépend du point de vue, mais enfin il est, il est un peu différent des autres. Bon. Et alors donc, à partir de là, bon, on a, on a, euh, on ramène tout à une variable. Bon, il y a d'autres méthodes, bon, enfin. Bon, J'en ai publié une C'est qu'un exercice aujourd'hui. C'est qu'un exercice. L'idée, c'est d'avoir deviné qu'il fallait prendre ce complexe-là et la comme homologie. Et ça, c'était vraiment une grande idée. Ça a fait avancer énormément les choses. Alors bon, donc euh, voilà, donc, cunette vectorielle, le de Dolbo, donc qui passe par plusieurs intermédiaires. Euh, euh, Grotendick qui raconte à Schwarz comme ça, oui, 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 oui mais qui n'attache pas une énorme importance. Schwarz qui le raconte dans son séminaire, bon. Et puis euh, bon, euh, Serre qui était là, qui entend... Ouah <laughs> Serre, Serre est toujours vif d'ailleurs, toujours vif. Et pour prendre la bonne idée au, au vol, il sait faire. Donc, euh, ensuite, Grotendieck a continué à continuer. Bon, il y a dans la même, dans la même époque de transition, il y a aussi... Des théorèmes de dualité encore, des théorèmes de dualité. Il y a un théorème, un papier qui est publié au Portugal, je ne sais plus. Il y avait un élève de Schwartz qui était, je ne sais plus son nom pour l'instant, il y avait un élève de Schwartz qui avait fait, qui en gros avait fait redémarrer les maths au Portugal dans les années 60-70, je ne sais plus son nom, je m'en excuse. Et bon, dans les journaux... des. Bon, je ne sais pas si c'est publié. Il y a sur la dualité, des... Bon, c'est une généralisation de ce qui avait été fait par le portugais. Bon, dualité, qu'est-ce que c'est que le dual des espaces de fonction, le morph ou harmonie. et En fait, les, les euh, comment ça s'appelle ça donc, les, les ultradistributions, ou les, bon, les, ces choses-là, euh, c'est, cette euh, les, le, 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 comment ça s'appelle Bon, il enfin, bon, y, a, y, a y a pas mal de, de variantes. Les fonctionnels analytiques, les fonctionnels analytiques, ça, ça, fonctionnels analytiques, ça, sort, ça sort en partie de cet article de Grotonique. Donc, il euh, balayait large, il large. Alors bon, compté, bon je, 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 je vais Je termine un petit peu avant 8 heures, mais enfin, vous ne me le reprocherez pas. <laughs> Alors, je, je viens maintenant à euh, la période de transition, mais je viens... Aussi à ce qui est fait un petit peu en marge de tout ça, un petit peu en marge de tout ça, mais qui euh, bon, euh, il si <laughs> y a bien des gens qui deviendraient célèbres pour une seule des contributions que je vais signer, que je vais citer. Alors bon, d'abord, il y a la théorie de Fredholm des opérateurs intégraux, qui est reprise. Bon, la théorie de Fredholm, c'est un classique. Fredholm, Fredholm, bon, Fredholm, c'était un un collaborateur ou un, enfin, bon, travaillait dans l'équipe de, de Hilbert sur les équations, aux, 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 les équations intégrales et il a refait, bon je pas vous... Le, le, le compte rendu de Bourbaki sur toute cette époque-là époque donne tous les détails, je ne parle de les reproduire. Et, euh, mais il y avait des déterminants. Il y avait des déterminants. Fredholm lui-même introduisait des déterminants. Point carré et point a aussi fait des déterminants infinis. Bon, et déterminer l'infini, ce n'est pas, pas si évident. c'est pas si évident, loin de là. Mais bon, Poincaré, Poincaré en avait fait, bon, pour des applications à la mécanique céleste. Et Fredholm aussi en avait fait. Bon, tout ça fonctionnait qu'à un cas. Et Grotendieck, de nouveau, s'est posé le problème le plus général et le plus abstrait. Est-ce que je peux formuler les déterminants de Fredholm dans une situation qui n'a rien de concret disons pour l'espace de banard le plus général. On peut définir ce que c'est qu'un opérateur de Fredholm, ce n'est pas très difficile. Malheureusement, il y a une restriction, c'est qu'il faut distinguer entre ce qu'on appelle un noyau et l'opérateur. Un noyau, c'est un élément, bon, c'est un élément du... Oui. Un noyau, c'est un élément, si j'ai un espace de banard E... Je vais faire le produit tensoriel de E, alors c'est le pi avec E', I' prime. E prime, c'est le dual, et ça, bon, c'est un vecteur bras multiplié par un vecteur ket, c'est un opérateur, c'est un opérateur, je peux, le faire agir, je peux le faire agir sur E de manière évidente. Bon, autrement dit, ça, ça s'envoie normalement dans les opérateurs linéaires continus de E. Malheureusement, c'est pas toujours vrai que c'est injectif. Donc on ne peut pas toujours identifier le noyau à l'opérateur. Bon. Alors, c'est un peu gênant, c'est un peu gênant, et donc Grothen, fait une théorie de Fredholm où il se place dans un cadre où il n'y a pas cette question-là, mais ça restreint quand même un peu les, 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 les possibilités d'application. Bon, alors, ça a deux. Bon, il développe ça, il développe un calcul des déterminants, qui, et comme d'habitude, le, le, le point crucial au point génétique, la, c est, c est de vue c'est l'inégalité de Hadamard. L'inégalité de Hadamard, qui est au major indéterminant par, par, par des bandes sur les éléments de la matrice. Bon, C'est l'inégalité de que Hadamard avait d'ailleurs démontré pour aider à la Fredon. Fredon. Bon. Ce n'est pas par hasard. Et alors, ensuite, euh, bon, de Hadamard joue un rôle. Et alors, il y a eu deux prolongements. Il y a d'abord Serre qui a repris ça quand Serre a fait du, 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 du calcul péadique et qu'il a, qu a travaillé sur les espaces de banard péadique, un des premiers à le faire, parce qu'après, il y a eu pas mal de gens qui, qui s'y sont frottés après, eh bien, euh, Serre reformule ça pour des espaces de banard péadique. péadique. Bon. En fait, le, on, sait, on peut calquer les méthodes, sauf que, sauf que les majorations ne se font pas de la même manière. Les majorations dans le péadique et dans le complexe, ça ne se ressemble pas, bon, <laughs> ça ne se ressemble pas, bon, parce que, on sait bien que dans le PADIC, que la, la norme de x plus y elle est plus, au, au plus égale au plus égale le, le sup de la norme de x et de la norme de y. Bon, c'est l'inégalité ultramétrique et ça, ça change pas mal. Bon, donc l'inégalité ne fonctionne pas. Euh, les méthodes de bon, l'inégalité repose essentiellement sur des méthodes d'espace de Hilbert. Ça marche pas. Donc euh, euh, Serre a repris tout ça et il a appliqué ça à des, à des, bon, à des recherches sur les périodiques. En même temps que Michel Lazare à la même époque avait fait une théorie des groupes euh, des groupes périodiques compacts. Bon, et tout ça c'était dans le même ensemble de projets. C'était tout ça, c'était la sous-traitance de Grothendieck. <laughs> sous-traitance de Grothendieck. Bon. Et bon donc il euh, y avait il y avait ça et puis bon. Euh, Ultérieurement, j'ai trouvé une, une astuce qui permet de me débarrasser de cette hypothèse-là, qui fait marcher dans, dans tous les cas. En gros, euh, bon, euh, j'ai calqué une astuce qui était connue dans les opérateurs pour les de Hilbert, qui est que, bon, normalement, quand on a un, espace, un opérateur dans espace de Hilbert, pour qu'on puisse définir un déterminant, il faut qu'il soit un opérateur nucléaire, on est aussi à trace, à trace, bon. C'est-à-dire que, disons, en gros, la, la trace de, de la valeur absolue de l'opérateur soit finie. et ben moi, j'avais... Bon, il y a, y, a, y, a, y a des résultats classiques où on suppose que c'est la trace... C'est Hilbert-Schmidt, c'est-à-dire la trace du carré de l'opérateur qui est finie. Bon, et bon, on peut adapter cette idée-là ici. Bon, c'est... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'applications après coup, mais enfin bon, ça, 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 ça évitait une hypothèse inutile. Mais enfin, c'est pas... Je ne dis pas qu'on en est... Pour l'instant, ça n'a pas apporté grand-chose de plus. Bon, alors ensuite, bon, simplement, je vais euh, citer, bon, alors, ce que Grotonik a fait à la même époque. Bon, il ne s'est pas contenté de ça. Bon, il y a... Pour les opérateurs dans l'espace d'Hubert, il y a quelque chose qui s'appelle le théorème de Litzky sur la trace. Et Grotonik l'a repris. Et il y a un faux séminaire Bourbaki. Je dis un faux séminaire Bourbaki. <laughs> qui est en, c'est-à-dire que si vous cherchez dans, dans, les, dans les, les, les volumes des séminaires Baki, vous verrez qu'entre deux séances normales, il y a un exposé qui n'a attaché à rien, <laughs> qui est le groton et qui était, le, bon, qui était en fait, résume, une de ses réflexions que, du, du Brésil. Et bon, il, alors il fait, bon, il, il fait des traces généralisées, bon, il s'appuyait sur des résultats, de, c'était un truc qui était fait en partie avec, 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 avec Dick Smith. Bon. Et il a, il a fait ça. Et bon, je me souviens encore que de cet exposé. Était, il était revenu du Brésil pour, pour quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Et je me vois encore arpenter la rue d'Ulme avec Rotenick après cet exposé-là. Et qu'est-ce qu'il y avait euh, Ah oui, je ne sais plus. Je sais plus mais ça, non Je ne sais plus quel événement. Il y avait un événement politique qui s'était passé. Oh, qu'est-ce que c'était oh, je, dois, je, dois je dois confondre deux de mes souvenirs. Parce que ça ne colle pas. Il y, y avait le, quand, quand De Gaulle était mis en balotage en 1965, donc ça ne colle pas avec ça. Donc c'est un autre, autre rendez-vous avec Gonthier. J'ai eu un autre rendez-vous avec Gonthier où je faisais la rue du Mont-Large en travers. On passe devant un kiosque à journaux, euh, balotage pour l'élection présidentielle. Alors Gonthier, qui était complètement ignorant de toute, toute, toute finesse et de toute finesse politique et institutionnelle, m'a dit bah, :« Mais alors. » De Gaulle était bâti. Il n'y aura plus de président en France Je dis, toi qui es anarchiste, tu devrais t'en réjouir quand même. Ah oh oui, mais quand même, quand même, quand même. Il n'imaginait pas la France sans président. Alors j'ai dû lui faire tout un cours. Que ma fille fait à ses élèves de première sur le, le droit constitutionnel, sur ce que c'est qu'une élection, un, un deuxième tour, une constitution. Je lui fais tout un cours de droit constitutionnel, à ah mon niveau, hein, qui n'est pas très, n pas très philo. Ben enfin bon, mais comparé à, à son ignorance, <laughs> c'était, c'était, c'était une encyclopédie. Bon, enfin bon. Et voilà. Bon, simplement pour terminer en disant que, que Grotonique a toujours été Grotonique et que bon, j'ai essayé de vous de vous peindre le premier Grontonic et la transition. Bon, la transition, elle s'achève avec, avec ça. Et après ça, bon, ben, il y a après ça la transition, c'est l'exposé qu'il a fait à Edinburgh en 1958, au Congrès mondial des mathématiciens, Congrès international des mathématiciens, dont lui, son vrai nom, international des mathématiciens, pas des mathématiques, et où euh, Grotonique a formulé son programme. Et, et il, il a dit, bon, ben voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire. Et la, la, la fois d'après, c'était à Amsterdam, euh, Serre euh, commence à l'exposer il dit, je vais prendre la géométrie algébrique au sens qu'elle a aujourd'hui, la théorie des schémas, quatre ans plus tard. <laughs> c'est pour vous dire pff, la vitesse de l'explosion. Bon, alors, Grotten dit que c'est... Euh, je ne vais pas vous parler, ce n'est pas, pas mon sujet, de, 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 sa, de sa phase après 70, sa phase IP d'après 70. Je terminerai en simplement en vous disant que j'ai eu l'année dernière en me promenant dans des endroits de ma jeunesse dans l'Ardèche la de découvrir qu'il y, y, y a des descendants des hippies ce sont des espèces d'anarcho-écolo mais qui ont les pieds sur terre. Ils ne passent pas leur temps à planer comme ça, à faire de la fumette, non. Ils font sur terre, ils font des projets de fermes, de fermes collectives, de, 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 de culture bio, etc. Bon, et, et en même temps, c'est de l'accueil aux touristes, etc. Bon, et bon, et je me suis dit, ben, Gontenic aurait été heureux de voir ça, de voir ça. Ce n'est pas les casseurs que j'ai vus, ceux qui, ceux qui font des indices. Non, ce n'était pas ceux-là, c'est les autres. Bon. Mais enfin bon, c'était... Je suis content de voir que son rêve, son rêve écolo, anarcho-écolo, n'est pas mort. Pas mort. Bon, ça ira jusqu'à où ça ira. Mais enfin, c'est quand même... Il n'est pas mort. Et il et y a bon, il y a par exemple une édition que vous avez peut-être... connaissez peut-être, les éditions chaîne c h e n e qui est une petite maison d'édition, qui a l'ambition... De faire ce que faisait à Actes Sud au début, <laughs> publier de la poésie par exemple. Il y a plusieurs projets du même genre un peu partout. Enfin bon, c'est rassurant. Et alors, ce qui est simplement, alors ce qui est aussi amusant, c'est que je me trouve un jour dans, dans mes vacances là-bas, je me trouve dans une réunion d'organisation d'un groupe comme ça. Puis bon, bon, je suis discret, je suis discret. Puis je me retourne vers ma voisine et je lui dis Mais vous êtes en train de réinventer les kibbutz Qu'est-ce que c'est un kibbutz <laughs> L'imaginaire disparaît, c'est ça. Donc, c'est ceux qui veulent ressusciter, qui veulent ressusciter l'idéal qui bouge du début, bon, j'ai un de mes cousins qui a fondé un qui donc je peux en parler, mais bon, mais ça n'est plus dans l'imaginaire. Pauvre Gotenik. Gotenik, bon. Eh bien voilà. Bon, ben j'ai terminé un quart d'heure plus tôt, mais enfin, j'espère... Bah ben, oui, voilà, si il y a des questions.